Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve sur Forza Motorsport 4. Et oui encore, alors ça fait la deuxième vidéo que je fais sur Forza Motorsport 4. Alors pourquoi machin? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'autres jeux en ce moment? Est-ce que c'est parce que je sais pas, parce que j'y joue beaucoup? Et ben en fait c'est les deux. Non, en fait c'est surtout qu'en ce moment je suis pas mal sur Forza 4 quand même, parce qu'au début j'avoue que j'étais étant un gros joueur NFS, j'étais un peu voilà. Pas à côté de la plaque, mais voilà, c'est pas vraiment Forza qui m'a tiré. Et puis à force d'y jouer, j'ai vraiment vraiment accroché, moi qui adore les bagnoles et tout, et j'ai vraiment accroché. Donc j'ai fini mes 10 saisons de Forza 4 depuis la première vidéo. J'étais à la, je sais plus j'étais à quelle saison, mais bon, en une ou deux semaines j'ai pas mal joué. Et donc bon, à voir un peu ce que j'ai comme bagnole, mais c'est pas pour autant que j'ai fini le jeu. Donc là on va faire un peu le vite fait entre les voitures que j'ai gagnées, entre les voitures que j'ai achetées. Alors là, j'ai la McLaren, la DeLorean, la célèbre DeLorean. Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, on t'avoue, c'est simplement la voiture de Retour vers le futur. Et j'étais obligé de l'acheter quand j'ai vu. Bon bref, après c'est des petites bagnoles. Bon, il y en a que je me suis amusé à tuner, mais ça par contre, là, je vais y revenir juste après. La personnalisation des véhicules. Bon, là je vais laisser défiler les véhicules à l'écran. Hein, mais la personnalisation des véhicules est vraiment poussée dans Forza 4 et ça fait peur. Puisque c'est un jeu de simulation et donc pas vraiment, on va dire, de personnalisation. C'est vraiment un jeu de simulation et la personnalisation du véhicule est beaucoup plus poussée qu'un Need for Speed récent. Donc bon, ça fait peur. Petite voiture que j'aime bien au passage, que j'avais, enfin, en jouet étant gamin, bref, mis à part ça. Mais voilà, j'ai eu pas mal de véhicules. Alors, on nous en donne, des fois on en achète. Là, celle-là, je l'ai personnalisée, enfin bref. On nous en donne, on en achète. Personnellement, j'en ai pas acheté beaucoup. Je crois que j'en ai acheté à tout péter deux ou trois, vraiment vraiment quand je voyais que j'arrivais pas à, bah, à bien gérer quoi. Donc voilà, je fais à peu près le tour. Je vous invite à faire pause sur l'écran pour voir les bagnoles, etc. Je les ai pas personnalisées. Il y en a deux que j'ai personnalisées, mais sinon le reste c'est bon. C'est quoi ça? Ah d'accord. Ah bah attendez, je vais juste modifier. J'avais jamais vu. Alors oui, alors personnellement j'ai depuis. Alors, je vais faire une petite, comment dire, un petit briefing depuis que j'ai fait la première vidéo. J'ai juste avancé dans la carrière communauté, j'ai juste vendu une bagnole parce que je voulais un succès qui n'a pas marché d'ailleurs. L'Autovista, bon ça c'est pour voir les bagnoles, donc j'ai juste fait entre potes pour me la péter, tout simplement. Jeu libre, je joue juste avec un ami. Avec mon meilleur ami, des fois, on fait des courses de bagnole, qui lui a Forza Motorsport 3, et que je pense acheter. Et marché, j'y ai pas été. Donc voilà, j'ai juste avancé vraiment dans la carrière, vraiment les 10 saisons. Il y a vraiment beaucoup de courses. C'est fou comme ce jeu est complet, et voilà. Il y a 10 saisons, et je peux pas vous dire à peu près combien il y a de courses. Des fois, elles sont plus longues, des fois, elles sont moins longues. Vraiment, vraiment, très complet. Et quand on a fini les 10 saisons de bagnole, on recommence les 10 saisons. Alors là, en question, voilà, je suis à la division amateur, puisque j'ai fini les 10 saisons hier, je crois, à tout péter. Et là, je suis retourné en division amateur. Alors, sauf que la différence que je vais faire, c'est que je vais pas recommencer les courses comme le monsieur me dit dans l'oreillette, que je vais attendre d'ailleurs qu'il monte la course, parce que là, après, faut que je quitte. C'est qu'on va faire autre chose, puisqu'en fait, moi, il faut savoir que je chasse les succès, et j'aime bien les succès, quand je me plais du moins, ou quand les succès sont faciles. Et vu que j'ai bien accroché à Forza, voilà. Et là, je vais vite fait mettre les succès à l'écran. Je vais pas vous ennuyer plus que ça. Donc j'en ai 27 sur 58, on va dire c'est la moyenne, hein. Vraiment quand vous finissez le jeu, vous avez ça. Donc vous voyez que là, terminé à la première place de chaque course de la liste d'épreuves en mode carrière. Et ben la liste d'épreuves c'est quoi? Alors c'est pas les courses du World Tour, ce que j'ai fait mes 10 saisons, c'est les listes d'épreuves qui sont juste en dessous. Et nous avons d'ailleurs Ivo, mais je pense peut-être que ça sera dans une autre vidéo et tout. Donc là vous voyez une grille de courses. Alors celles qui ont un V, ça veut dire que je les ai faites. Celles qui n'ont pas de V, ça veut dire que je les ai pas encore faites. Donc vous voyez qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de courses, et sachant là vous vous dites bon à tout péter allez voilà il y a que ça. Et ben non, quand vous cliquez dans la caresse que je vais faire actuellement, vous avez au moins 3-4 courses, voire même plus, je sais pas, plus tard. Donc bon, il y a quand même de quoi faire. Et là actuellement je fais les listes d'épreuves, puisqu'il faut savoir que quand vous finissez vos 10 saisons et que vous recommencez donc à zéro au niveau du World Tour, vous avez tout de même tous les véhicules ainsi que les gains. Là vous voyez que en bas à gauche de votre écran, j'ai 1 694 274 crédits. Je crois que c'est des crédits, je vais pas dire de bêtises, mais c'est des crédits. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal d'argent. Ça pourrait être plus, sachant que j'ai payé une bagnole à 1 million. Donc voilà. Et je suis niveau 58 actuellement. Donc nous allons faire une véhicule. Donc pof pof pof. Bah, de toute façon, je pense qu'on va faire les deux aujourd'hui. Donc on va d'abord faire celle-là, qui se passe en Suisse, et qui est une piste que j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup.
qui est vraiment très jolie, qui est vraiment sympa. Donc voilà, je suis désolé peut-être pour ceux qui s'attendaient à une autre vidéo, hein, qui s'attendaient à peut-être à ce qui est sorti en ce moment du Splinter Cell Blacklist, voilà, qui s'attendaient à des jeux sortis actuellement. Non. D'ailleurs, je tiens à dire que vous n'allez pas voir, malheureusement, je tiens à le redire même, que vous n'allez pas voir d'unboxing de la nouvelle édition d'Assassin's Creed qui va arriver, bah là, au mois d'octobre, puisque simplement financièrement, je ne peux pas me permettre d'acheter Black Flag. En tout cas, l'édition collector de Black Flag, ni les consoles next-gen, je ne pourrais pas me les acheter. Donc moi, je reste sur 360 et Play 3 pour l'instant. Enfin, surtout 360. Donc voilà. Je tenais juste à le dire, je ne passe pas sur next-gen tout de suite. Simplement, financièrement, on n'a pas tous des gens derrière. Déjà, limite, je vais pouvoir m'acheter GTA 5. Donc s'il n'y a pas de droit d'auteur, vous aurez sûrement une petite vidéo. Comme 390 millions de youtubeurs sur YouTube, j'imagine. Mais moi, je veux faire une vidéo sur GTA 5. Pas pour faire des vues ou quoi que ce soit, c'est simplement que Grand Theft Auto, c'est un jeu que j'adore depuis que je suis gosse et que voilà, c'est tout simplement normal de faire une vidéo dessus. Mais je ne pense pas la faire aussitôt, je ne pense pas. Déjà pourquoi? Parce que vous allez être inondé de vidéos, j'imagine. Et puis tout simplement parce que j'ai envie de profiter du solo qui va être juste exceptionnel. Grand Theft Auto 5, bon, on va dire comme ça. Enfin GTA 5 quoi, va être vraiment un jeu que tout le monde attend. Et qui va être enfin à la hauteur de la licence en nous refaisant un bon San Andreas, mais largement, largement meilleur. Donc voilà pour ce qui est des prochains jeux et Pokémon X et Y, enfin, c'est plutôt Pokémon Y, que je vais m'acheter, mais ça, vous n'aurez pas de vidéo dessus. Ah, d'ailleurs, si cette vidéo est là, est vue, puisque bon, en ce moment, mes vidéos font plus beaucoup de vues. Alors je m'en fous des vues, hein, mais c'est juste que j'ai un peu peur que ma chaîne vous en foutez. Mais enfin bref, pour revenir là-dessus, sachez que j'ai des consoles portables, hein. Sauf que bah malheureusement il n'y a pas de logiciel de capture dessus, ou du moins peut-être, mais j'ai pas envie de craquer une console portable juste pour ça. Mais dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse, oula je patine, une vidéo sur Animal Crossing New Leaf par exemple, ou même des jeux Pokémon, peu importe, sachant que ça sera filmé avec mon caméscope sur la DS 3DS. Bon ça va pas être une qualité de ouf, enfin c'est pas niveau la qualité qui me dérange, c'est plutôt que ça sera pas exceptionnel. Dites-le-moi, hein, c'est juste que bon, si ça vous intéresse de voir certains trucs, bon... C'est vraiment un petit plus, mais peut-être, je sais pas moi, peut-être le début de Pokémon Y quand je vais l'acheter, enfin voilà. Moi niveau jeu, alors il y a Splinter Cell Blacklist qui est sorti aujourd'hui, et que je voulais acheter, mais malheureusement je ne peux pas, voilà, comme j'ai dit, je peux juste me limite payer GTA V, je dois faire des concessions, et voilà, j'ai pris GTA V, et enfin je vais prendre GTA V, et Splinter Cell Blacklist qui est une des licences, étant un pro Ubisoft, on va dire ça comme ça, j'adore Splinter Cell depuis le premier, et voilà. Je voulais l'acheter, je l'achèterai, mais voilà. Sur ce, on va parler un peu du gameplay. Que vous voyez à l'écran, d'ailleurs, je me bouffe un mur, mais bon. Donc là, on est en Suisse, donc sur la piste suédoise, si je ne dis pas de conneries. Vous voyez que j'ai toujours laissé les flèches vertes, alors j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui ont dit « Oh, non, mais tout !» Mais en fait, c'est juste que j'ai simplement une grosse flemme de les enlever. Je pense, franchement, vous savez quoi, après cette piste-là, on fera la deuxième. Et je vais enlever les flèches, voir si je suis un peu nul. Donc bon, si je me tape un mur, etc., ce qui est rare maintenant, je dis bien maintenant parce que au tout début je fonçais à la Need for Speed, quoi, maintenant je fais bien gaffe et tout. Si je fonce dans le mur et tout, c'est simplement que je parle et c'est dur de se concentrer un peu sur le gameplay et en même temps de parler. En tout cas dans un jeu comme ça, bon, là les pistes je les connais, hein, celle-là je l'ai faite je ne sais combien de fois, merde, je me suis bouffé. Je l'ai faite je ne sais combien de fois par rapport à... au World Tour, et même ce matin je crois que j'en ai refait un peu, je sais plus quelle piste, enfin bref, j'en ai refait, mais il faut savoir aussi que les pistes changent, hein. c'est comme les vraies pistes, en même temps c'est des pistes réelles. Ah d'ailleurs, je voulais demander, bon ça m'étonnerait que Cathy regarde la vidéo, mais sait-on jamais, vu que c'est du Forza 4, peut-être que ça va lui plaire. Cathy, si tu regardes la vidéo, donc Madame KitKat pour ceux qui ne savent pas, dis-moi si cette piste-là existe vraiment en Suisse. C'est ça que je voulais me poser la question, est-ce que cette piste existe vraiment en Suisse? Alors je sais qu'il y a, pour les flancés, il y a la course au Mans, qui elle est vraie, et pour vous dire, j'ai poussé le truc plus loin, c'est que je me suis arrêté à un panneau de direction simplement, connaissant, enfin c'est pas moi qui connais, mais c'est plutôt un ami, oula, j'ai pas signé comme il y a pas, un ami qui connaît par ce coin-là, quoi, par le Mans, a regardé, enfin je lui ai dit les noms sur les panneaux, et il m'a dit ouais, c'est vraiment les villes qu'il y a à côté. Alors que vous savez, ils auraient pu juste... mettre des noms pif, ou même voilà, mettre des noms en anglais, même au pire des cas. Non, c'est vraiment des noms français et tout. Donc Forza, enfin Turn 10 a vraiment poussé le truc à fond, et ça c'est vraiment vraiment génial. À la différence, j'ai testé Forza 3 justement chez mon meilleur ami, que je n'avais pas testé parce que moi j'ai commencé sur Forza 2, et Forza 2 je l'ai pas trouvé exceptionnel. Forza 3 ressemble à Forza 4, mais pour moi la différence entre les deux opus,
c'est que Forza 3 est très beau graphiquement, hein, ça on va pas se mentir. Mais je trouve que Forza 4 s'est amélioré dans la, comment va-t-on dire, dans le champ visuel. En fait, pour vraiment m'expliquer, je trouve que le niveau décor, c'est-à-dire les montagnes, les arbres, le public, ce qu'il y a autour, vraiment les petits bâtiments autour, pour certains ça va paraître des détails, c'est le cas, mais ça y joue. Et bah, je trouve qu'ils ont été plus accentués ici, ils se sont moins concentrés, enfin, ils se sont tout aussi concentrés sur les pistes. Et je me demande même d'ailleurs si c'est pas les mêmes. Mais se sont concentrés aussi beaucoup plus sur le décor extérieur, ce qu'on retrouvait pas par exemple dans un Gran Turismo que j'adorais sur Play, mais qu'on ne retrouvait pas là-dedans. Enfin, j'ai pas testé le dernier, mais en tout cas dans les premiers Gran Turismo, on trouvait pas cette profondeur de beauté du paysage. C'est un détail, mais qui joue beaucoup et ce que je trouve la différence entre ces deux-là. Et moi justement, cette piste suédoise, je me demande si elle existe vraiment dans la réalité. Mais je pense que oui, sans dire de conneries, je pense que oui. Après, voilà. C'est vraiment pour ma culture personnelle, je ne sais pas, et ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Donc maintenant, on va enchaîner. Alors là, je regarde juste parce que j'ai un bug graphique sur la télé, mais je ne pense pas que vous allez voir. Non, c'est bon. Nous allons faire une piste, le CQ de Catalunya. Alors lui, je l'ai fait énormément de fois. Alors ça, par contre, faut aimer vouloir refaire les pistes. Si vous dites, oh, c'est chiant, j'ai déjà fait cette piste-là. Faut aimer ça, vous allez refaire plusieurs fois, 2, 3, 5 fois, 6 fois, même plus je pense, des pistes. Cette piste là est l'une des pistes que j'ai roulé le plus dessus. Simplement en fait, déjà vous avez le World Tour, après certaines pistes vont changer. Par exemple au bout d'un moment, voilà, là ça ressemble à pas plus rien une baleine, hein, on va pas se mentir. Des fois ça va ressembler à autre chose, ça va être ovale, ça va être... Les pistes changent, et donc vous refaites, on va dire, le circuit, mais sous un autre angle. Mais faut quand même aimer vouloir refaire les pistes et pas se dire oh faut encore celle-là. C'est vraiment un jeu de simulation, c'est ça qu'il faut se dire, c'est un jeu de simulation, c'est un jeu de course. C'est pas du NFS qui est de la course de rue, c'est pas pareil. Là c'est circuit fermé et mais il reste tout aussi génial. Et d'ailleurs j'ai vu la bande-annonce de Forza 5 lors de l'E3 de Microsoft et qui était vraiment vraiment très très beau. Je le trouvais vraiment agréable. Après je ne pense pas que c'était des Imagine Game, donc bon, il faudra voir d'ici là. Mais de toute façon, je n'aurai pas la console. Donc bon, moi je m'en fous. Mais franchement, il est agréable et je pense même m'acheter. Alors pour certains, ça va paraître débile. Mais si j'arrive à faire tous les succès, ce que je ne pense pas, puisqu'il y a des DLC, faut savoir ça, il y a des voitures en DLC. Si les succès sont faisables et que j'arrive à les faire, ça prendra du temps. Mais au contraire, ça me gêne pas. Je trouve vraiment ce jeu très agréable. Et ça fait du bien. En ce moment, faut savoir que je suis un peu pas crevé parce que sinon je pourrais pas. Enfin, je suis un peu crevé aussi, mais avec la chaleur et tout, ça fait. Je sais pas vous. Attendez, moi je fais juste pause parce que j'ai mal à l'œil. Je sais pas vous, mais avec la chaleur, ça me tape sur la tête et tout. J'ai mal au crâne. Et des fois, je vais être crevé et je vais pas forcément aller vouloir me faire je sais pas. Attendez. Ah, ça vous gratte l'œil, c'est chiant. Voilà. Je vais pas forcément faire, je sais pas moi, du Duck Nukem où qu'il faut foncer dans le tas, suivre l'histoire. Je vais pas vraiment foutre un jeu où qu'il faut suivre l'histoire parce que simplement j'aurais mal au crâne, je suis fatigué, j'ai pas que ça à faire. Et ça m'embêterait de jouer un jeu donc il faut suivre l'histoire. Et de rien suivre du tout, ça m'embêterait. L'avantage avec Forza 4 c'est qu'il n'y a pas d'histoire vu que c'est des courses, c'est des épreuves, c'est des saisons. Il n'y a pas d'histoire et donc c'est vraiment un jeu très reposant. Donc il faut quand même se concentrer sur certaines courses parce que quand on passe avec des voitures en R1, donc on va dire pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les voitures les plus haut de gamme, les plus rapides, les plus faciles à manier par contre je trouve. Je galère avec les R3 mais les R1 je trouve plus facilement maniables. Ah par contre j'ai mal pris le virage. Ah oui j'avais dit que j'enlevais les flèches. Je ne pense pas qu'on peut l'enlever comme ça. Non, y a pas. Bon, bah tant pis. Je crois que c'est en avant la course. Bon, je suis désolé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en étais ? Oui, donc oui, voilà, c'est vraiment un jeu pour se reposer, pour se détendre. Mais moi, en ce moment, qui a mal au crâne à cause de la chaleur, bah ça fait du bien un peu de faire du Forza. Ça permet de se reposer. Le jeu est vraiment cool, vraiment reposant, des paysages très beaux. Et non, c'est vraiment un pur plaisir de jouer dessus, même pour ceux qui hésiteraient peut-être à l'acheter Forza 4. Je vous l'invite, même si vous êtes plus comme moi fanat de Need for Speed, et ben ça va vous faire changer d'avis, ou peut-être pas au moins du moins changer d'avis. Mais quand on voit, on va pas se mentir, hein, les navets que sont les derniers Need for Speed, et ben franchement ça fait du bien de rejouer un vrai jeu de bagnole. Après c'est de la simu, c'est pas pareil, c'est sûr. Vous allez bien galérer à vos débuts, mais après ça sera franchement un pur plaisir.
Et comme je disais, oui, je vais sûrement m'acheter Forza 3 puisque Forza 4 me plaît beaucoup. Et ayant vu jouer mon meilleur pote dessus, bah ça me donne envie de l'acheter quand j'aurai fini Forza 4. Parce que pour moi, je l'ai pas fini vu que j'ai juste fait World Tour, qui est quand même assez long, hein, on va pas se mentir. Je ne sais pas combien d'heures de jeu j'ai passé dessus. De tête, je sais pas. Je dirais 20 heures, mais je pense que j'en suis à beaucoup plus. Sans mentir, je pense qu'il y a beaucoup plus d'heures de jeu. Mais voilà, c'est un style qu'il faut aimer tout de même, parce que voilà, vous faites toujours les mêmes pistes, etc., etc. Et c'est vraiment vraiment plaisant. Et la dernière course du World Tour est vraiment pas mal. À tout péter, il faut au moins 7 à 8 minutes, je crois, pour faire le tour de la piste. Donc ça peut vous donner une idée, sachant que là, par exemple, je mets par tour, je mets 1 minute 23. Et donc en gros, 2 minutes, 4 minutes, 5, 6. Ouais, en gros, là, la piste d'aujourd'hui, en gros, enfin la course. Oh merde, attendez, est-ce que là j'ai lâché mon analogue, ça va pas le faire. La piste que je fais là, en gros, les 3 tours, ça équivaut, et encore, je pense qu'on en est loin, à un tour entier de la dernière piste. Donc voilà, et je crois que ça se passe en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, ou en Belgique. Une piste vraiment très belle, vraiment très bien réalisée, et qui est vraiment dure si vous n'avez pas la bagnole qu'il faut. Moi, j'ai dû rechanger parce que j'avais une bagnole un peu pourrave. Puisque je suis très économe en vrai, et je suis très économe sur les jeux. Donc là, en fait, là, quand j'utilise les 1 million ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour me payer une bagnole dont j'ai besoin, par exemple, pour la liste des épreuves que vous avez pu voir en début de jeu que je suis en train de faire actuellement. Il faut des fois, par exemple, je dis ça totalement au pif. Par exemple, des fois, il va vous falloir une Audi pour faire la course, je sais pas, Audi Champion, je sais pas, enfin bref, un titre totalement débile au hasard. Mais il va vous falloir telle ou telle bagnole, et des fois vous l'avez peut-être pas forcément. Et là, l'argent que vous avez rentre en jeu. Moi, j'ai dû acheter deux petites bagnoles ce matin pour faire les premières courses, parce que j'ai revendu les miennes. C'est pas bien méchant, je crois que ça coûte 30 000 à tout péter. Bon, après, ça dépend des marques, hein, c'est comme dans la réalité. La Ferrari va pas avoir le même prix qu'une Lamborghini, enfin voilà, c'est aussi ça. Vous allez très bien pouvoir dépenser dans une belle bagnole, je sais pas, 300 000, et pour la même bagnole qui va à la même vitesse mais qui porte le nom de Lamborghini, vous avez payé 1 million. Donc voilà, ça dépend des marques, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais bref, voilà, c'est vraiment un bon petit jeu. Donc là, on a fini mon épreuve, disons ça comme ça, où il y avait mes 4 courses. Alors, je sais pas si des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, je sais pas vraiment, mais voilà. Donc là, on a fait 2 petites pistes, donc je vais avoir un petit V dessus pour me dire que c'est fini. Oula, c'est ma télé qui bug. Ah oui. Donc là, vous voyez que j'en ai redébloqué une, d'ailleurs, faudra que je la refasse. Et tous les trucs sont signalés par un petit rond que j'avais jamais vu. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de courses. Alors il y en a certaines, je pense, qui comptent pour le World Tour. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'en ai fait une. Alors là, vous pouvez voir, vous pouvez voir en bas à droite, pardon. Donc il y a des courses qui sont comptées, vu que vous avez fait pendant le World Tour. Par exemple, là, j'en ai 3 sur 5. Mais il y en a, par exemple... En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, quand vous faites une course du World Tour, on va y aller tout de suite, vous avez le choix entre 3 courses. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais pas repéré au début, c'est mon meilleur pote qui m'a dit, et ce coup, j'avais pas repéré. En fait, donc là, nous sommes sur le menu des courses. Et en fait, sur ce circuit-là, donc que vous voyez à l'écran, hein, le petit circuit, vous avez 3 choix de course. Soit que vous faites défi européen, tournoi du supercar ou rassemblement de Toyota Lexus. Donc là, ça sera que avec des Toyota. Là, ça sera que avec des bagnoles vraiment, vraiment bonne catégorie, puisque c'est une catégorie S. Donc, tu fais partie des bonnes catégories. Et une R3, ça, c'est les bagnoles de compète. Et donc, en fait, voilà, c'est géré par rapport à ce que vous voulez faire. Certaines, par exemple, là, vous donnez un bonus d'affinité avec la voiture. C'est-à-dire, en fait, plus que vous allez avancer, par exemple, plus vous allez rouler avec une Lamborghini, plus votre affinité avec elle va monter. C'est-à-dire, vous allez arriver à mieux la manier, et gagner des niveaux avec elle. Puisque vous avez le niveau du joueur et le niveau de la bagnole. Enfin, le niveau d'affinité. Là, vous avez du bonus crédit, donc qui va vous rapporter de l'argent. Donc la somme là, actuelle, c'est 3000 plus 50%. Donc 3000 plus 50%, ce qui est pas dégueulasse. Et bonus mystère. Alors là, ça peut être un bonus du niveau de pilote, un bonus d'affinité, ce que je pense pas, et un bonus de crédit. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. C'est un jeu vraiment complet. Et franchement, je vous invite à le faire. Peut-être, dites-le dans les commentaires si vous voulez que je fasse autre chose, que par exemple on fasse une vidéo sur. Ah, parce que franchement, j'adore ce jeu. Et vous voyez que j'ai quand même beaucoup de courses. Donc dites-moi si ça vous retente des vidéos sur Forza 4. Ça sera avec grand plaisir, avec énormément de plaisir que je le ferai. Si vous avez des voitures à m'offrir tunées, je ne dis pas non. Non, mais par contre, si quelqu'un franchement est très doué à tuner les bagnoles, je vous invite à le dire dans les commentaires, parce que moi, je suis d'une bouse sur Forza 4. Je suis très doué sur Need for Speed,
Mais là, je suis une bouse au Forza 4 et j'aimerais bien me tuner une bagnole. Mis à part ça, c'est une petite annonce personnelle. Si vous voulez que je fasse autre chose, que ça soit par le World Tour, bah, ça sert plus à rien. Mais les listes d'épreuves, n'importe quelle, hein, peu importe, j'en choisirai une parmi la liste. Dites-le moi, ça sera avec grand plaisir. Si vous voulez que je batte un rival, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va plus afficher. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais si vous voulez que je fasse ça, ça sera avec plaisir aussi. Au contraire, ça sera sûrement une découverte d'ailleurs, si vous voulez que je le fasse. Puisque moi, je pense continuer la liste d'épreuves après. Sinon, je sais plus ce qu'il y a. Bref, je ferai sûrement peut-être des courses en ligne. Ou si vous voulez voir l'Autovista, mais je pense que je vous l'avais montré. Enfin voilà. D'ailleurs, on va se quitter sur une vue. Sur une vue. Ah oui, alors, petite info, s'il y en a qui regardent la vidéo. Contenu téléchargeable. Ouais. D'accord, bon. Ça me fait un peu chier. En fait, je voulais vous montrer une bagnole, mais bon. Là, ça me déçoit. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre le menu de Forza 4. Si parmi vous, ça, y en a qui savent où se trouve la voiture d'Halo, parce que je sais qu'il y avait le véhicule d'Halo par Bungie. S'il y en a qui savent où qui se trouve, dites-le moi, parce que je ne le trouve absolument pas sur ce jeu, et je crois à l'époque qu'ils avaient annoncé qu'il allait être dessus. Mis à part ça, j'espère que cette petite vidéo avec les deux courses qu'on a fait aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de faire des vidéos sur Forza 4, qui est vraiment un jeu que je recommande, qui est sorti en plus maintenant, il doit plus rien coûter, hein. Franchement, vous trouvez 15€ dans le commerce. Et encore, franchement, 15€, c'est même le prix fort, j'ai envie de vous dire. Mais il vaut le coup. Il y a même l'édition collector qui inclut des DLC que je voulais prendre à l'époque, malheureusement, c'était un peu chéros. Donc voilà, je vous invite franchement à le prendre, à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de faire des vidéos dessus. Si ça vous gêne pas de que j'en fasse souvent, vous risquez d'en avoir. Ça sera avec énormément de plaisir, ça fait 5000 fois que je le répète. Bref, mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos sur Forza 4 ou sur Assassin's Creed ou sur bien d'autres jeux, notamment GTA 5 qui va arriver bah, bientôt, hein, il va bientôt arriver, au mois de septembre, je crois que c'est le 17, bref. Donc voilà, sur ce, je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare, à la prochaine, salut tout le monde.